Tu sais ce qui m'agace quand on part se promener? Non, dis-moi. C'est que les gens ne ramassent pas les crottes de leurs chiens. Moi, je trouve ça cool, c'est mes friandises. Une personne ne t'aime pas. Elle court et elle va, elle recrute d'autres personnes pour l'aider à te détester. Mais ce qui est drôle, c'est que toute cette armée de haineux ne s'aiment pas entre eux-mêmes. Ils sont juste ensemble pour te détruire. Tu vois à quel point tu es puissante. Si je fais semblant de dormir pendant assez longtemps, peut-être qu'elle me foudra enfin la paix. Tabanor est toujours là. On peut jamais être tranquille. Les animaux ont cette capacité de t'aimer, peu importe à quoi tu ressembles, dans quel... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Y a encore des gens sur TikTok ou pas? Non, parce que si vous êtes encore là, lâchez un petit like, une petite vue, un petit com. Abonnez-vous, je sais pas, faites-moi signe. Je t'ai demandé pourquoi t'as paniqué. Parce que j'ai pas de copine. Paniqué. Oui, je sais. Pourquoi t'as paniqué? Parce que je peux pas si j'ai personne. Alors, tu sais quoi? Le canapé, là, il est à moi. Alors, ou tu dégages du canapé, ou passe dans ta gueule. T'as compris? Quand mes humains m'ont adopté, je pensais que j'allais gambader de partout, courir vite, et jouer avec mes amis dehors. Finalement, j'ai mieux que ça. J'ai un canapé confortable pour dormir. Petite technique, si vous promenez vos chiens, vous avez peur de vous faire agresser le soir ou la journée d'ailleurs. Personnellement, je suis un petit peu psychopathe. Je fais toujours très très attention de s'il y a quelqu'un qui me suit et tout, même s'il ne m'est jamais rien arrivé. Vaut mieux prévenir que guérir. Et ce que je fais moi quand je promène les chiens, c'est que dès qu'ils font caca, je ramasse la crotte. Mais malgré qu'il y a plein de poubelles partout, je ne jette pas à la poubelle. Je garde la crotte bien au chaud. Parce que je me dis, quelqu'un m'attaque, je prends le caca, je le mets dans le visage. Tu vas faire quoi? Bah tu vas vomir à la limite, tu vas me lâcher, c'est sûr que tu me lâches. Ça doit être horrible de se prendre une crotte en pleine face, tu vois ce que je veux dire? Surtout ceux de mes chiens, ça rigole pas du tout. C'est sûr que ça te sauve la vie, je suis certaine que le caca sauve la vie, baladez-vous avec une crotte dans les mains. Oh malheur, je suis au régime. Ils m'ont mis au régime, ils ont dit trop gros. Je comprends pas, moi je suis maigre, mais bon. C'est le désespoir, hein. Je vais me laisser mourir ici s'ils me donnent plus de bonbons. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew.
Hey. Hola. Il sourit. Oh! Ça me gratte, j'adore ça. Ouah, j'adore les crottes. Mais qu'est-ce qu'elle est dure à ouvrir cette porte? Hé, hey, l'humaine, t'es là, tu fais quoi? À toi, tu fais caca. Bon, les retardataires qui sont pas abonnés, là. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Vous voulez pas devenir une abonnise? N'essayez pas de résister. Aujourd'hui, j'ai décidé de goûter à tout. Vas-y, s'il te plaît, maman, donne-moi une petite crêpe. Ils ont l'air si bonnes. S'il te plaît, maman. C'est pour moi, ça? Est-ce que c'est pour moi? C'est vraiment pour moi, maman? Oh, merci, maman. Merci beaucoup. Merci bien. Est-ce que je peux en avoir une autre, s'il te plaît? Allez, vas-y. C'est dimanche aujourd'hui. Fais-en moi une autre, s'il te plaît, maman. Non, mais c'est une blague. Tu vas m'en donner une autre? Oh, merci, maman. Merci beaucoup. Allez, une petite troisième, s'il te plaît. S'il te plaît, maman, une petite troisième. Non, c'est terminé. Danse et manger aujourd'hui. C'est terminé. Il n'y en a plus. J'ai maigri? Ben oui, j'ai maigri. Je mange que de la verdure. Je fais que ça. Salade, salade, carotte, carotte. Salade, carotte, salade, carotte. J'en ai changé la couleur de mon popo. Ah, je te jure, on dirait des popos radioactifs.